Bonjour à tous. Premier principe en termes de puissance, thermodynamique, seconde année. Quelle est la relation entre le travail, la puissance et le temps? Eh bien, delta W, ici travail élémentaire fourni au système, est égal au produit de la puissance par la variation infinitésimale de temps. Prenons l'exemple concret suivant. Je vais exercer un travail de 1 joule pendant environ une seconde sur ce système. Quelle serait la puissance? Eh bien, la puissance est égale au travail élémentaire divisé par dt, c'est-à-dire 1 joule divisé par une seconde, ce qui nous fait une puissance de 1 watt. La puissance, son unité, est le watt. Le travail élémentaire, dans ce cas-là, évidemment, est en joule, c'est une énergie, et le temps est en seconde. Si j'exerce le même travail, mais cette fois-ci en 10 secondes, qu'est-ce qui se passe? La puissance, elle est moins grande. La puissance, elle voudrait quoi dans ce cas-là? P', ce serait égal à quoi? Eh bien, toujours 1 joule sur 10 secondes, ça ne ferait plus que du 0,1 watt. Voilà pour la puissance mécanique. Passons maintenant à la puissance thermique ou au flux thermique. Eh bien, la relation entre la quantité de chaleur et le flux thermique, ou puissance thermique, est la suivante, delta Q égale phi dt. À quoi correspond cette relation? Eh bien, imaginons que l'on fournisse au système, ici, gaz contenu dans le piston, 1 joule de chaleur en une seconde. Eh bien, que vaudrait le flux thermique phi? Delta Q sur l'intervalle de temps, 1 joule pour une seconde, eh bien, on aurait un flux thermique de 1 watt. C'est 1 joule par seconde, tout simplement. Et puis, si maintenant, on ne prend plus 1 joule par seconde, mais imaginons qu'on soit fou, qu'on n'en prenne plus un, mais deux. 1. Cette fois-ci, on n'a plus 1 watt, mais combien? Eh bien, le flux thermique, il vaut cette fois-ci toujours delta Q sur delta T, c'est-à-dire 2 joules pour une seconde, ce qui nous fait un flux thermique de 2 watts. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à exprimer le premier principe de la thermo en termes de puissance pour un système fermé. À vous de jouer. On va tout simplement réécrire quoi? Eh bien, DE égale DU plus DEC macro plus DEP macro. Ça, c'est le premier principe en termes d'énergie. Est égal à delta W plus delta Q. Il nous suffit de faire quoi? Eh bien, de tout diviser par ça, par DT tout simplement. Et on passe des énergies aux puissances, puisqu'une puissance, c'est des joules par seconde. Delta W, dt, delta Q, dt. Qu'est-ce que c'est que delta W sur dt? Ben, c'est tout simplement la puissance mécanique. Donc, égale puissance mécanique, plus quoi? Delta Q sur dt, eh bien, c'est le flux thermique. Voilà, bébé est en train de s'impatienter, il faut que je vous laisse.